RTCI nous réunit. Le magazine de l'économie, une émission de Zach et Bonjour, l'UGTT vient de tenir son 23e congrès, à l'issue duquel un nouveau bureau devait être élu. L'on ne peut dès lors s'empêcher de s'interroger sur le rôle du syndicat dans le climat social en cours dans notre pays. Doit-on s'attendre à de nouveaux rapports avec les partenaires sociaux à ces questions et à bien d'autres, répondra notre invité, Mohamed Simi, syndicaliste, ancien secrétaire général adjoint de l'UGTT. Il est actuellement vice-président du think tank, le Cercle Khareddin. Quelle est votre lecture du dernier congrès électif de l'UGTT, c'est Mohamed Je crois que c'est un congrès comme les autres, à mon avis. N'empêche qu'il a lieu pendant une période très importante pour la Tunisie en général. Et donc, le congrès de l'UGT peut envisager un certain renouveau aussi, au oui. même titre que le renouveau qu'a a, qu a connu le pays. Il peut, ce congrès peut essayer de promettre renouveau, une évolution. Est-ce qu'il y a des prémices Vous étiez secrétaire général adjoint de l'UGTT à un certain moment. Vous restez donc syndicaliste de vocation, d'autant plus que vous êtes dans un cercle de réflexion, le cercle trahédine. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a vous voyez des prémices de, de la part de l'UGTT pour suivre les changements je, intervenus je, dans le, en Tunisie Je crois que oui. Je, je crois que nous avons démarré déjà lors du congrès de Djerba un renouveau. Euh, C'était en, une... en quelle année En 2002. Ah oui. Ça en re, 2002 ça à... déjà, il y a de la démocratie interne, il y a la transparence des élections il y a la gestion collective de la direction de l'UGTT je peux reconnaître que étant acteur depuis mm -hmm. cette période jusqu'en 2011 fin 2011 nous avons Connu des changements importants au sein de la gestion de l'UGTT au sein pas, de la gestion interne. Euh, Ce n'était pas au niveau de son rôle dans la vie politique, économique et sociale de l'époque. Nous, nous savons. Aussi en 2006-7, le, ne pouvait pas... en 2006, 2007, le ouais. Nord du Congrès de Monastir. L'idée était de d'intégrer des éléments qui sont ouverts à la société civile. Qui sont reconnus comme des syndicalistes nouveaux dans certaines régions, qui ont un rapport avec euh, certaines organisations, avec les forats sociaux, et qui sont intéressants pour le renouveau de l'IGTT. Ces éléments étaient intégrés à la direction lors du congrès de Monastir. Je cite Hsin Abbasi, Bilghass Mnayari, Mouldi Jandoubi, et d'autres qui ont probablement. Hum, qui ont percé, quoi. Percé. Ah oui. Voilà. Ils se sont imposés. Euh, donc, euh, donc, ces gens-là, à mon avis, ont constitué la, la première ouverture de l'UGTT vers la société civile et vers les autres organisations. Et on a dépassé un tout petit peu déjà le rôle syndicaliste strict qui met au centre l'UJTT sans reconnaître qu'il y a la Ligue des droits de l'homme, mm -hmm. les, les, les avocats, euh, toutes les associations de développement et de droit, et l'ouverture sur un nouveau monde où le syndicat, qu'il soit d'ailleurs euh, travailleur ou patronal, et où le dialogue n'est plus tripartite, le dialogue est est devenu, Dépassé, donc, à notre point de vue, un dialogue beaucoup plus général. Quoique, quoi que durant l'ancien régime, on ne sentait pas ça de la part de l'UGTT. Au contraire, il était plus ou moins, euh, du moins, si on voyait les rapports, les relations qu'entretenaient les secrétaires généraux de l'époque avec euh, le régime en place, donc euh, l'UGTT, on ne sentait pas de toute façon cette ouverture ni cette mission. Ils que... étaient des secrétaires. Ceux que je viens d'appeler étaient déjà secrétaires ouais. généraux de... non, y des... Des... Dans, des... dans les Arbeilles, régions. Y il y avait Abslemjarad, il y avait... Jrad, il y avait c c c c non, je parle des secrétaires généraux des ah, régions. Des ah, régions. Des régions mais, mais le secrétaire général est non, un non. peu orthodoxe. absemrad, continue à être dans l'école de Hachour et dans l'école classique. Par contre, euh, je, je reconnais que celui de Madia, qui n'est plus parmi nous actuellement et qui est devenu fonctionnaire à l'OIT, mmh. c'est ainsi, je ne mmh. me souviens plus, il est toujours en exercice ailleurs, euh, ce secrétaire général, qui n'a pas pu passer d'ailleurs, mmh. mais euh, il était déjà ouvert, ainsi que je certains secrétaires généraux de l'UGT. Mmh. Pensez-vous que l'UGTT est, est amené et dans l'obligation de revoir sa copie en ce qui concerne ses rapports avec euh, ses partenaires sociaux, en l'occurrence le gouvernement et euh, l'UTICA notamment C'est une petite évolution. On parle, oui, non, non, non pour le futur. Oui, oui c'est une évolution nécessaire. Mmh. À mon avis, nous avions la sympathie du peuple en général parce qu'on était les représentants de ceux qui de défendent, disons, la démocratie. Maintenant que la démocratie politique, la démocratie au niveau du pays est là, nous allons être jugés en fonction de nos résultats, c'est-à-dire de notre proximité avec le peuple, l'opinion publique, la proximité avec la société civile, la capacité de, disons, de suggestion et de participation au niveau du gouvernement, et aussi un dialogue sera argumenté avec notre partenaire principal, l'Utica. Et le gouvernement, parce qu'il y a tout un secteur public qui est concerné, et le GTT c'est surtout le secteur public. Malheureusement, probablement les syndicats de la fonction publique ne donnent pas un bon exemple pour dire que nous allons entretenir un rapport correct, équilibré... Raisonner avec le gouvernement. Vous mais pensez, je crois que. Vous pensez, direction... pensez aux syndicats de l'éducation, surtout Oui, les le euh, syndicats de la fonction qui... publique en général, mais les syndicats les plus forts sont les syndicats de l'éducation. Voilà, c'est voilà. ça. Le GTT a pesé de tout son poids, nous le savons, dans la vie politique de notre pays, notamment et essentiellement à partir de 2013, dans le cadre du dialogue national. Est-ce que c'est dans la nature et la logique des choses, cette mission Peut-on parler d'une évolution positive du rôle du syndicat Oui, à mon avis, euh, il est indispensable dans un pays où on vit une transition, qu'elle soit politique ou, ou même sociétale, il est indispensable que l'UJTT joue son rôle qui était prédestiné au niveau de la constitution de l'UJTT en 1946. Un rôle plus politique que corporatiste qui essaie de défendre l'unité nationale, la préservation de du pays, la préservation du modèle sociétal de notre société. Je crois que c'est plus que jamais nécessaire, et je crois qu'ils le font maintenant et qu'ils le feront beaucoup mieux à l'avenir. Ils doivent continuer, selon à, vous, à mon avis dans ce sens indispensable. Aussi. Ils n'auront pas une survie et une valeur aussi importante que la celles d'actuellement, s'ils ne le font pas avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'évolution, une formation est nécessaire pour les syndicalistes et même pour les cadres syndicaux, de façon à ce qu'ils s'adaptent à la nouvelle conjoncture, un pays démocratique, un État démocratique, un syndicat qui se veut plus haut qu'un syndicat, mmh, ça. Euh, euh, mais plus large qu'un parti en plus mais est-ce que est-ce que justement le GTT peut réussir et a réussi dans cette double vocation et mission à la fois de défendre les intérêts des salariés et, et aussi sa mission en politique. L'UGTT a-t-elle pris un risque dans, en s'impliquant dans la vie politique en Tunisie Non, au contraire, ça, ça vient de l'essence même de l'UGTT. L'UGTT n'est pas l'essence historiquement, d'accord. L'UGTT, nous savons, a été créé dans les années 40, en 46, 45, mmh. 46. C'était en plein dans le mouvement national de libération de la Tunisie. C'était pour l'indépendance de la Tunisie. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce registre-là. Je crois que c'est le même registre. Il y a une rupture entre le syndicalisme de Hached jusqu'à jusqu 1944, où il était plutôt social-démocrate mais mm. syndicaliste au sens syndical, sensu stricto. Dès que la guerre est terminée et que la Tunisie, au même titre que la France, doit se libérer, ayant vu ses camarades français patriotes et ayant choisi la patrie, et ils ont transcendé le syndicalisme pur et dur, Hachette s'est transformé en syndicaliste à un homme politique, un dirigeant national, oui, oui. et il a intégré la dimension politique. Et je crois que tous, nous tous, après, nous l'avons plus ou moins intégré, cette dimension, avec plus ou moins de réussite. Mais vraiment, lui, il l'a réussi à la perfection. Il n'a jamais eu de carte du destour, mais il était le leader mmh. sur le terrain euh, et, et l'acteur de tout ce qui a été fait en Tunisie à l'époque. Et donc aujourd'hui, il y a une rupture aussi entre le syndicalisme revendicatif sans si structo, revendicatif de la démocratie, mais revendicatif aussi au niveau matériel. Pour la défense de, de, des salariés. C'est nécessaire qu'il y ait une rupture vers. Une autre forme, j'allais dire, de syndicalisme qui ressemble beaucoup à ceux qui ont constitué à la période de la constitution de, de 46, 46, 52 oui. cest c'est-à-dire que le volet politique doit être mis en exergue, quitte à et ce vous, que vous défendez donc le volet politique à, et la mission politique de l'UGTT. Absolument, tous ceux qui croient, Mais ça c'est le nous... travail des, des partis politiques, non? Bon. Maintenant en Tunisie, on a une armada, on en oublie, je, plus de 200 suis, partis politiques. Je suis peut-être le... un de ceux qui reprochent à beaucoup de gens de vouloir faire un carré syndicaliste à l'UGTT. Je dis que c'est une organisation qui n'est pas un syndicat en fait, hmm. c'est une union. C'est une union de toutes les classes de travail, c'est une union entre les travailleurs, les entrepreneurs. Le, le, les indépendants, la, la population pauvre qui, qui n'est pas travailleuse... Et, et, même, et même les non-travailleurs, parce que nous et, voyons le oui. GTT défendre les chômeurs et tous ces mouvements Absolument, sociaux je de crois protestation que est, en cours dans, euh, bon, dans le pays. En plus, oui. l'aubaine pour le GTT, mais c'est négatif pour le pays, c'est la faiblesse des partis. Mm. Le GTT est pratiquement condamné à continuer à jouer ce, ce rôle... rôle. Pour certains, c'est euh, un devoir limité dans le temps. Dans mon esprit, ça ne va pas s'arrêter. Il faut qu'elle évolue vers cette euh, forme que je n'arrive pas à lui trouver un nom qui est plus large mmh. qu'un parti politique, plus haut qu'un syndicat qui ne cherche que à défendre, défendre les euh, intérêts euh, immédiats les de ses adhérents. Ouais. Ouais. Est-ce que le dialogue social en Tunisie a toujours cours Ah tout à, il à fait, il existe encore. Nous avons démarré ce phénomène par euh, si dit Nouira avec Selahbi à travers les conventions. Selahbi hein. Oui, Selahbi euh, À travers la, la convention collective, collective cadre hein. et les, les conventions sectorielles. Et à mon avis, ce n'est que les ABC d'un dialogue social. C'est la négociation autour des questions du travail. Maintenant, la négociation sociale doit toucher des dimensions beaucoup plus larges que les salaires, les conditions de travail. Elle doit toucher l'environnement, la responsabilité sociale de l'entreprise, le rôle de régulateur du, de l'État l'option d'un système qui reste dans l'économie de marché, mais qui reste quand même humain. Et Est-ce que l'UGTT est dans cette perspective et dans cette logique de jouer ce rôle multidimensionnel euh, Moi, à mon avis, dû... on, on va le faire. On va le faire, on, mais on, jusqu'à aujourd'hui... Pas... On, on va encore plus le développer. Il est dans cette optique, mais elle, ça nécessite une vision, un encadrement, un approfondissement, et puis quand même ça nécessite de faire du benchmarking autour de, de nous, dans le monde. Mmh. Mais nous sommes parmi les premiers à, à vouloir faire du syndicalisme un modèle, disons, de développement, un modèle de gestion des pays, un modèle qui accepte le libéralisme mais qui essaie de donner un sens à la vie politique beaucoup plus humaine, plus, plus euh, compréhensible pour la population. Parce qu'il y a un libéralisme qui va beaucoup plus vers l'argent uniquement mmh. en oubliant l'appareil productif, l'économie productive, les partenaires sociaux, euh, les finances sont en train... Le, le modèle mondial, hein, mmh. je, là, oui, c'est un vrai. modèle qui est en train de s'essouffler. Et je crois que les syndicats, le, modè le modèle libéral, libéral, sauvage, libéral, financier, financier, oui, oui, financier, le capital surtout, financier, non, mais le capital le, reductif, rente, le, le bon, capital, oui. Ces transferts de l'argent, mmh. cette arrogance, parce qu'en définitive, à mon avis, le modèle que le monde, a, dont le monde a besoin, et où l'UGTT et la Tunisie peut jouer un très grand rôle, c'est un modèle qui est fondé en amont sur la productivité, c'est vrai, et les technologies de l'information, et ouais. sur les, la compétitivité, mais en aval, sur une distribution beaucoup plus efficace, parce que si tu produis beaucoup grâce à la technologie, à la ouais. recherche, euh, il faut, que, pour que le circuit continue à marcher, que tu aies des clients, mmh. c'est-à-dire des consommateur, c'est-à-dire en amont commercialisé, des gens. C'est commercialiser ce qu'on a produit. Voilà. Ouais. Donc, ouais. vous devez mieux distribuer. Et je crois que l'UGTT peut être parmi les premiers. Peu, peut être, mais à, à ce moment, la question aussi, est-ce qu'elle est en mesure, vu son organisation, vu, vu ses compétences, Moi, vu le aussi... personnel je suis optimiste. Non, à part l'optimisme, d'accord Heureusement qu'on mais, mais, est optimiste mais je, en Tunisie, sinon, euh, ça aurait été la catastrophe pour notre pays. Mais concrètement, concrètement je veux des choses. Euh, oui. La direction. On a envie d'entendre des, des, des choses concrètes, vous, euh, la, le la syndicaliste actuel, oui. celle qui vient de partir, a fait un bout de chemin. Oui. C'est à la cette direction qui La va, qui va, qui, va qui, qui, ouais. qui va avoir lieu, d'être accompagnée, d'être encadrée, d'être à l'écoute de ses conseillers, de ses mmh. experts, mmh. pour qu'elle évolue, qu'elle développe cette optique. Et quand je dis que je suis optimiste, je ne suis pas un citoyen loin de l'UGTT, je présume qu'à travers mes connaissances et à travers mes amis, j'ai une idée de ce qu'ils sont capables d'accepter et de ce que je suis capable de leur présenter en tant qu'ancien, en mm -hmm. tant que camarade, en tant que... Et là, vous, vous, vous menez des je... une réflexion ah, là-dessus, bien sûr. Je suis ouais, en, en train de, de, de mener de une, de réflexion. une réflexion, ouais. mais euh, je présume qu'il n'y a pas beaucoup de divergences, et que nous sommes sur ce chemin, et... Que, étant donné qu'ils sont déjà sur ce chemin, nous allons essayer de lancer plus rapidement ces réflexions de façon à ce qu'on soit plus efficace. C'est l'intérêt de notre pays. On n'a pas d'autre choix à faire. Nous avons des dilemmes, des difficultés mmh. face au terrorisme. Face à la crise, la crise économique. économique et sociale euh, vraiment qui, qui s'aggrave. Et je dirais, c'est une crise mondiale. Nous, 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 nous avons. Elle le est terrorisme. mondiale, mais elle est aussi tunisienne. Elle, elle, elle ça. est tunisienne. Lorsqu'on Tunisien. arrête les sites de production, lorsque tous ces mouvements sociaux et de protestation qu'on comprend par ailleurs continuent à bloquer aussi le, tout, tout, ce, ce, tout le circuit de production, là. On Maintenant qu'on a à compris que la crise est une crise d'investissement. L'investissement ne vient que s'il y a stabilité. Stabilité veut dire qu'il y ait un compromis social, qu'il y ait quelque chose qui permet à l'UGTT, l'UTICA et le gouvernement à, disons, ça soit amener un dialogue, aussi euh, un des dialogue relations de plus en plus, plus, en plus profond, profond et voilà. de plus en plus général, quitte à ce qu'il aille plus loin que le tripartisme mmh. pour essayer de stabiliser le pays. Mais quand je dis stabilité, c'est aussi les, la stabilité des gouvernements. Parce que quand tu changes de gouvernement 4, 5, 6 fois en 4, 5 ans, mmh. je crois qu'il investisseur, il n'y a, oui. a pas de visibilité pour les investisseurs. Mmh. Donc quand je dis stabilité, ce n'est pas uniquement une paix sociale, c'est aussi une bonne gouvernance, même euh, au niveau euh, de du changement de ces gouvernements mmh. qui se succèdent les investisseurs étrangers ont besoin d'interlocuteurs, de, de, de ministres, de cadres qui ne changent pas tous les six mois. Bah, Donc... Je suis désolée quand j'entends, moi, le syndicat et les, les, les membres du syndicat de l'éducation nationale euh, demander à changer de ministre de l'éducation parce qu'il y a un problème peut-être de, de sympathie ce, ce ou pas. Ce n'est pas de a vu quand on, les a vus, quand on les a vus aussi euh, imposer à notre ministre de la santé, là, on se pose des questions question aussi, hein, euh, sur le rôle de l'UGTT aussi, dans cette, euh, non, non. Dans de, cette instabilité politique. L'UGTT n'est pas hein, le syndicat le ministre des, 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 de l'éducation. Est-ce que vous dénoncez euh, cette, euh, à ce genre avis, de... C'est des dérives de, il, du il, rôle il, de il, 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 des Certains syndicats hein. sont relativement euh, arrogants à cause de certains symboles du syndicalisme qui sont un peu partisans. Mais le, les, les adhérents de ces syndicats sont des citoyens, au contraire, les plus élevés intellectuellement et les plus concernés par la question politique. Maintenant, il y a aussi des attitudes un tout petit peu individuelles. Mmh. À mon avis, Donc, ils font une dérive. Et, et je ne généralise pas. Je crois que euh, au niveau de la communication, ils sont très mal outillés parce que nous avons besoin de l'opinion publique et nous n'avons pas besoin d'être vus comme des gens qui exagèrent, qui sont arrogants et qui sont politiques, euh, trop politiques. Politique. Mmh, D'accord. Voilà. Donc, euh, Donc euh, vous, vous me demandez si je dois dénoncer, c'est aux adhérents de l'éducation de préserver leur autorité, leur valeur, image. en essayant de dire à ceux qui ne savent pas communiquer, de bien communiquer et de ne pas porter préjudice à l'image de l'UJTT parce que l'UJTT n'est pas les syndicats de l'éducation ou n'importe quel petit syndicat ou grand syndicat en tout cas c'est les plus visibles malheureusement un pacte social a été signé et conclu en 2013 à peu près, depuis Silence Radio. On a beaucoup plus tendance à penser que ce pacte est mort-né. Qu'en pensez-vous Non, non, je crois qu'on va légiférer le dialogue social à travers un conseil. Mais ça, fait, ça, fait, ça fait plus de trois ans maintenant Mais que ça ne qu fait qu existe sur le papier. Mais ça ne fait rien. Il y a là. plein de lois qui sont dans, oui, oui, en stand-by dans, dans le Parlement. Et nous avons probablement des priorités. Moi, je sais que mes amis à l'UGTC préfèrent et, et pensent, à juste titre, qu'en légiférant sur cette question-là, on va essayer de stabiliser... De résoudre pas mal de problèmes sociaux. Effectivement, sociaux. Mais le gouvernement a aussi d'autres priorités, qui sont le terrorisme, qui sont, qui sont les, les institutions. Qui, vous voyez un tout petit peu qu'il y a un tout petit peu... D'impatience, mm. justifiée du côté syndical, mais compréhensible à l'égard de mes amis parlementaires, euh, oui, dont oui. le président est un ami et euh, quelqu'un que je. je oui, je, il était au social, bien sûr. Mohamed vous. J'apprécie oui. beaucoup. Oui. Je... On revient au pacte social. Est-ce qu'il est possible donc de le réactiver Et vous pensez que l'UGTT tient absolument à ce que ce, absolument. le pacte... Je crois que maintenant, il y a un ministre des Affaires sociales qui était un ancien collègue. Un ancien collègue, qui va certainement essayer de, de, de dynamiser cette question-là. Hum. Euh, mais euh, et, et, je ne crois pas que ce soit uniquement cela qui est suffisant. Je crois qu'il faut un compromis historique beaucoup plus haut que le dialogue social, la négociation collective, le tripartisme. Nous sommes dans une phase où l'unité nationale est indispensable pour qu'on puisse franchir cet obstacle qui est la transition politique et économique. Nous, nous sommes dans une situation de crise et il faut qu'on sache qu'on a le gouffre devant nous sur le plan économique et je dirais général. Le chaos peut avoir lieu dans n'importe quel mois. Je ne dis pas dans n'importe quelle année. Oui, oui. Dans n'importe quelle semaine, dans n'importe moi. quel mois. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, nous, moi, je suis sûr que. Est-ce que la... les autres partenaires sociaux, en pensant bien sûr au gouvernement et à l'Utica, sont dans cette logique Ils jouent le jeu de, de ce dialogue, d'apaisement de, de. À mon avis, nous avons besoin de former toutes les parties surtout l'UGTT et l'Utica, à mm. ce qu'ils s'acceptent, qu'on en finisse avec la question, disons, d'adversité, qu'on établisse des rapports de dignité, de respect, parce que souvent, dans le système autoritaire, le plus fort, celui qui est plus proche du gouvernement, est, euh, est le plus euh, vu. Qui euh, fait comme le, le, le plus fort, entendre sa voix. Et, voilà, et, et, et alors, il faut équilibrer ce rapport entre l'UGTT et l'UTICA, d'une part, et le gouvernement. Une dernière question, Mohamed Eshimi. Deux ou trois autres formations syndicales existent, donc légalement. Pourquoi Mais elles ont beaucoup de, beaucoup, beaucoup de mal hein, à faire entendre leur voix. Pourquoi le plurisyndicalisme qui existe, donc légalement, n'a pas le même succès que le multipartisme C'est une le, question le... de mentalité, c'est la, 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 la responsabilité incombe au, à, ces, à ces formations syndicales nouvelles, bien sûr par rapport à l'UGTT qui est euh, la, la plus ancienne centrale syndicale. Aux autorités publiques, aux pouvoirs publics qui ne composent pas avec les, les nouveaux syndicats Là, je vais, à qui, à qui, à là, un je vais donner un avis euh, personnel aussi. Oui, oui. Euh, pour moi, il y a syndicats et syndicats. Il y a la, la liberté syndicale, c'est quelque chose d'important. Les conventions internationales euh, nous obligent et nous amènent à la liberté syndicale. Oui. N'importe quel travailleur peut adhérer à. Au syndicat qu'il choisit, Et, Donc, un une... aussi un, un syndicat constituer ou un groupe constitué aussi, ou constitué en syndicat. Un syndicat oui. Mais à mon avis, nous avons deux, deux autres syndicats. Oui. Je une différencie. Même. Il y a un syndicat qui s'appelle CGTT. CGTT, oui. De Habib Dont le, le, le secrétaire le, général. Le, diri-, le dirigeant est à l'écoute de tout ce qui est nouveau, qui constitue une petite pépinière de formation syndicale et je dirais de formation professionnelle. C'était un, euh, et et un ancien aussi de l'UGTT. C'est un ancien Giza. secrétaire tout général comme, de d'ailleurs. De euh, tout comme Smail Sahbani. Smail Sahbani, son et, syndicat. Et personnellement, euh, je ne sais pas sur de... quelle base il la soit Par de, contre, Habib connais, la CGTT, je connais donc, le syndicat oui. de Habib Giza ouais. et donc je peux dire que c'est un syndicat. Aussi petit soit-il, je ne sais pas quel est le, son, le nombre mmh, d'adhérents, mmh, mmh. sa littérature, ses actions, euh, sa vision euh, est prometteuse pour lui et pour ceux qui veulent se constituer dans un petit syndicat où l'UGTT probablement n'a pas euh, la possibilité de, de le faire. De faire. Oui, oui, Donc c'est dans la complémentarité que je joue. Donc euh, vous pensez qu'on doit écouter par exemple ce genre de syndicat ah, tout oui, à fait, ils sont écoutés. Le mm. problème, c'est qu'à l'échelle internationale, entre nous, oui, oui. excusez-moi, excusez c'est qu'on leur demande des papiers et des justificatifs pour... Être euh, reconnu. Pour être reconnu. Mm. C'est n'est pas à l'UGTT de les reconnaître. Oui, bien sûr. Pas Le gouvernement les reconnaît. C'est à l'échelle internationale qu'elles doivent se faire rec reconnaître. Donc c'est à eux de... de c'est à, euh, à eux de... de, de et à mon eux. avis, c'est possible dès qu'ils font leur... Euh, Procédure dans les règles le de l'art et dès qu'ils fassent des, voilà. des adhésions. D'accord, merci beaucoup euh, Mohamed Sahimi, syndicaliste, euh, ancien secrétaire général adjoint de l'UGTT. Vous êtes également vice-président actuellement du Think Tank, le Cercle Khairuddin. Merci, chers auditeurs. Le magazine de l'économie, une émission de Zakia